the sky should fall into the sea, and the stars they roll. Nouvelle Fiat Bravo. Garantie 5 ans, 500 000 km et nouveau moteur diesel multijet, éligible au bonus écologique. Complémentaire santé, jusqu'à 300% du tarif de la sécu pour vos couronnes dentaires. Combien ? Des forfaits très intéressants pour vos lunettes et vos lentilles. Combien ? Et rien à avancer pour vos médicaments. Combien ? Je disais donc, avec notre complémentaire santé, jusqu'à 300% du tarif de la sécu pour vos couronnes dentaires. Des forfaits très intéressants pour vos lunettes et vos lentilles. Et rien à avancer pour vos médicaments. La complémentaire santé d'Aviva Direct, 0800 13 14 15. Depuis toujours, Madame Loïc fouette son fromage au sel de Guérande. Paysan breton perpétue cette tradition en donnant aux recettes de Madame Loïc un goût frais comme avant. Les recettes de Madame Loïc. Pour Genève, tournez à droite. À l'embranchement, prenez à gauche. Continuez tout droit, toujours tout droit. C'est parti, mon kéké. Oh, énorme. C'est cool. J'aime ça. Quelle grosse marade. Tout droit. Bruxelles, capitale de la Belgique, est en perpétuel chantier. La ville abrite néanmoins un joyau architectural ancré dans le passé, la Grand Place. Lovée au cœur de la ville, celle que Victor Hugo qualifiait de « plus belle place du monde » est sertie de somptueux édifices. Son élégante silhouette est pourtant le fruit d'une tragédie. Le 13 août 1695, la ville est bombardée sur ordre de Louis XIV et la place du marché, édifiée en bois, est presque entièrement anéantie par le feu. Commence alors le temps de sa reconstruction, en pierre, sur les plans de l'architecte De Bruyne. Le décor, parfois excentrique, des 39 maisons qui l'entourent, témoigne de la tumultueuse évolution de la place jusqu'au XIXe siècle. Une des perles de cet écrin de pierre est la Maison du Roi. Véritable joyau néo-gothique du XVIIe siècle, elle fait face à l'œuvre maîtresse de la place, l'Hôtel de Ville. Construit entre 1402 et 1455, dans un pur style gothique flamboyant, sa façade est ornée de 137 statues. D'une facture raffinée, elle garde jalousement la richesse historique de ses intérieurs.